Consommer trop de sucre, ça nuit à notre santé. L'ANSES recommande de limiter la consommation des sucres à 100 grammes par jour maximum. Les sodas light ou zéro seraient encore plus dangereux que les boissons sucrées. C'est en tout cas l'impression que l'on a quand on surfe sur le web ces derniers temps. Pourtant, les produits allégés en sucre, que ce soit les boissons, les laitages ou même certains biscuits, ont été commercialisés pour notre santé. Alors je vais décrypter cela et vous donner 3 conseils pratiques. Une chose est certaine, consommer trop de sucre, ça nuit à notre santé. Et c'est pour cela que l'ANSES recommande de limiter la consommation des sucres à 100 grammes par jour maximum. Et chose importante, cela inclut aussi bien les sucres naturellement présents dans les aliments, notamment dans les fruits ou le miel, que les sucres que l'on ajoute. Voilà quelques chiffres pour se repérer. Une pomme, une orange ou une banane, c'est déjà 15 à 20 grammes de sucre. Un carreau de sucre, c'est 5 grammes de sucre. C'est aussi ce que contient d'ailleurs une cuillère à café de confiture. Bref, vous voyez qu'on arrive assez vite aux 100 grammes de sucre par jour, même sans faire de grands excès. Alors on comprend vite l'intérêt des boissons sans sucre si on souhaite garder un goût sucré dans nos boissons. Alors l'effet de ces boissons, et de manière générale des produits riches en édulcorants, a été de plus en plus étudié ces dernières années. Et en particulier pour des édulcorants de synthèse fréquents comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K. En 2015, l'ANSES avait conclu qu'il n'y avait pas de preuve qu'une consommation régulière d'édulcorants soit néfaste pour la santé. Depuis ce rapport, de nouvelles études, souvent contradictoires, ont été publiées. Certaines ont observé que les édulcorants ont des effets sur l'organisme au-delà du simple fait de donner un goût sucré. Notamment, certains édulcorants perturbent notre microbiote intestinal. Puis, il y a eu des études d'observation, quelque peu inquiétantes. Par exemple, les personnes qui ont une consommation supérieure à la moyenne pour l'aspartame et l'acésulfame K ont un risque plus élevé de maladies chroniques, notamment de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Mais attention, même si les chercheurs ont tenu compte des biais dans leurs travaux, il faut rappeler que les consommateurs d'édulcorants de synthèse sont par ailleurs plus fréquemment des fumeurs, des diabétiques, ils font plus de régimes pour maigrir, moins d'activité physique, et ils consomment moins de fruits et légumes. Donc, il est encore difficile d'affirmer que ce sont les édulcorants qui causent des maladies chroniques. En pratique, je vous propose 3 conseils pour le quotidien. Premièrement, si vous avez le choix entre un soda sucré et son équivalent light, je ne vous recommande pas de choisir le sucré en vous disant que c'est le plus sain. Deuxième conseil, je ne vous conseille pas non plus de remplacer les sucres et les édulcorants par des sucres dits naturels, comme le miel ou le sirop d'agave. Naturel, ça ne veut pas dire meilleur pour la santé. Enfin, et là, tout le monde est d'accord, l'idéal, c'est de garder le plaisir du palais en se déshabituant peu à peu du goût très sucré.